Ce midi, les clients, parfois surpris, arrivent devant les portes fermées de nombreux Deleuze. Vous étiez au courant que ce Deleuzier était fermé ? Non. Pour vous, c'est vraiment la surprise ? Oui. Devant le Deleuze de Jette, les employés rassemblés sont sereins. L'ambiance est pourtant tendue. Le manque de personnel ne permet pas d'assumer la charge de travail. Ici, ce sont 15 emplois qui ont été supprimés sans pour autant avoir de solution sur le long terme. La clientèle vient faire ses courses, ne trouve pas ses produits dans le magasin. Il y a de la file aux caisses, les rayons sont appelés en renfort pour dégager les caisses. Et de ce fait-là, il n'y a personne pour mettre en rayon. Et voilà pourquoi le personnel a arrêté de travailler. Au total, sur les 20 Deleuze de la région bruxelloise, seule la moitié des magasins ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Parmi eux, celui de Saint-Antoine à Etterbeek, au plus grand soulagement des clients. Mon mari a essayé d'acheter quelque chose le samedi passé et c'était fermé. Aujourd'hui, c'est le premier jour que je fais la course. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est compliqué. Pourtant, du côté des syndicats du magasin, les revendications sont les mêmes que celles des autres Deleuze et les craintes aussi. Ben les gens sont inquiets pour leur avenir, sont inquiets pour leur travail. Donc c'est triste de devoir travailler en ne sachant pas de quoi est fait demain. C'est dommage, moi je trouve, de travailler dans ces conditions-là. Vous avez des gens qui viennent avec... Avant on venait avec la banane, on venait travailler avec le sourire et tout. Maintenant on vient avec des pieds de plomb parce qu'on ne sait pas de quoi fait demain. Donc c'est pas drôle de travailler comme ça.